Bon, là, c'est quoi, là? Vous voulez que je fasse un épisode Samibo, là? C'est ça que vous voulez, là? Difficile de ne jamais avoir entendu parler des Amiibo, ces fameuses figurines de collection de Nintendo qui vous coûteront un mois de salaire. Pourtant, aussi bizarre que cela puisse paraître, les gens se les arrachent. Mais tout d'abord, à quoi sert un Amiibo et comment ça fonctionne? Pour commencer, il est bon de savoir que les premiers Amiibo ont vu le jour le 21 novembre 2014, soit le jour de la sortie de Super Smash Bros. For Wii U. Au départ, les Amiibo représentaient les différents personnages de Super Smash Bros. Sur des socles, comme c'était le cas avec les trophées dans Super Smash Bros. Melee sortis sur GameCube. Mais ça ne s'arrête pas là, car de plus en plus on retrouve des Amiibo de différentes séries, comme ceux de la série Super Mario, ceux de la série Splatoon, ceux de la série Kirby ou encore ceux de la série Animal Crossing. Actuellement, les Amiibo coûtent 15,99$ canadiens. C'est très cher pour une figurine de collection, me direz-vous? En effet, mais ce n'est pas qu'une simple figurine de collection, elles ont aussi des pouvoirs magiques. Non, là, ça crache pas de feu, pis ça va pas faire ta vaisselle. Un Amiibo utilise la NFC, Near Field Communication. Lorsqu'on place un Amiibo sur le sensor du Wii U Gamepad, le Amiibo sera reconnu par le jeu s'il est compatible avec celui-ci. Selon le jeu, les effets seront variés. Dans le dernier Super Smash Bros, un Amiibo pourra combattre à vos côtés et pourra augmenter jusqu'au niveau 50. Il vous sera aussi possible de le customiser afin de modifier sa façon de combattre. Dans le jeu Zelda Hyrule Warrior, l'Amiibo de Link permettra d'obtenir la toupie de Twilight Princess. Dans le jeu Yoshi's Woolly World, les Amiibo débloqueront des nouveaux skins pour votre Yoshi. Il y a donc plein de petites features intéressantes pour chaque Amiibo. Certains Amiibo sont évidemment compatibles sur plusieurs jeux, alors que d'autres le sont que pour un seul jeu. Depuis peu, il y a aussi des cartes Amiibo Animal Crossing, qui fonctionnent de la même façon que l'Amiibo standard, et sont actuellement vendues en 4 séries. Parlant d'Animal Crossing, il est bon de savoir que Nintendo a cru bon de développer un jeu basé uniquement sur l'utilisation d'Amiibo. Animal Crossing Amiibos Festival. L'idée du jeu était bonne, malheureusement, pour bien apprécier le jeu, on est presque obligé d'avoir des Amiibo. J'ai pas trop fait de recherches sur le jeu, mais à ce que j'ai compris, ça se résume environ à... Avance de 5 cases. Avance de 3 cases. Vous comprenez donc que malgré la popularité des Amiibo, ce ne sont pas tous les idées de Nintendo qui sont un succès. Il est bon de noter que vous pouvez également utiliser des Amiibo avec la 3DS. Cependant, il vous faudra encore acheter un accessoire supplémentaire, le NFC Reader. Par contre, si vous possédez une New Nintendo 3DS, vous pourrez lire directement les Amiibo avec votre console. Depuis peu de temps, Nintendo semble intéressé à sortir des packs de jeux. Ceux-ci contiennent le jeu ainsi qu'un Amiibo dans un emballage spécial. On pense par exemple à Yoshi's Woolly World avec le Yoshi de laine, Mario Party 10 avec l'Amiibo Mario de la série Super Mario, ou encore mon préféré, Zelda Twilight Princess avec l'Amiibo Wolf Link et Midna. Parlant d'Amiibo préféré, un de mes Amiibo préférés est probablement celui de Mega Man. Ça compense le fait que le personnage dans Smash Bros. N'est pas comme je l'espérais. Par contre, est-ce que je peux vous dire que lorsque le personnage a été annoncé dans Smash Bros, j'avais l'air à peu près de ça? Une des choses les plus importantes à savoir à propos des Amiibo est donc que pour certains jeux, les Amiibo ne vont que débloquer des bonus, tandis que d'autres jeux pourront stocker des informations dans l'Amiibo, comme c'est le cas pour le dernier Super Smash Bros. Le problème est donc que si vous enregistrez des données sur un Amiibo, il vous sera impossible de sauvegarder des données d'un autre jeu sur un même Amiibo.
Sérieux, là? Ouais, ouais, sérieux, là. Genre, sérieux pour vrai, là? Ouais, ouais, genre, sérieux pour vrai, là. Ah ben, tabarn! Malheureusement, je vous ai dit tantôt que les amiibo coûtaient 15,99$. Cependant, certains amiibo sont plutôt difficiles à trouver et les revendeurs en profitent pour les revendre à un prix de fou. Même Nintendo sur Amazon en profite parfois pour vendre leur amiibo à prix élevé à cause de la rareté. Je me demande d'ailleurs pourquoi Nintendo en produit pas plus. Bon, je vous avais posé une question au début de la semaine. Qu'est-ce qu'on fait avec les amiibo? Je veux des réponses. Ben là, c'est pas compliqué, on en produit plus. Hey, actuellement, le monde qui en veut, là, sont pas capables, puis ils doivent payer proche 50$ du amiibo. Ça a pas de bon sens. Ben, s'ils ont pas d'argent, ils méritent pas d'avoir nos produits. La vie, ça sert à faire de l'argent. Ben, on a juste à en produire le moins possible. Fait comme ça, on en produira pas qu'on vendra jamais. En plus, ça va faire de la rareté. Fait que ça va nous permettre de les vendre plus cher sur Amazon et eBay. Pis en plus, les revendeurs, ils vont nous aimer. Hey, toi, je ne sais pas où que tu prends tes idées, là, mais t'es vraiment mon préféré. Ouais, brûler la moitié du stock d'amiibo pis stopper la production pendant au moins 3 mois. Toi, là, augmentation de salaire. Ah, ben j'espère augmentation de salaire, t'sais. C'est donc ce qui met fin à cet épisode. J'espère que ça vous a plu et si... Excusez, c'est mon clone, là. Qu'est-ce qu'il a fait, là? Non, rien. Qu'est-ce que ça? Voyons. Hey, c'est pas grave, parle d'un combat, là, ton amiibo. Bon ben, direction le magasin. Hey, salut, sont où les amiibo? Un Hugo? Un Hugo, excuse, sont pas un peu chers tes amiibo? Trop cher. Trouve ça trop cher. T'en as vu ça, les belles, je m'en trouve avec ça, ok? T'es pas content, là, comment ils sont, ok? Surtout, ils achètent, on va en être double. Hey, salut, Matt, ça va? Ben oui, ça va super bien. Y a-tu un problème? Ouais, tu connais-tu ça, toi, les amiibo? Ben oui, je connais ça, c'est sûr, pourquoi? Ok, ben, j'aurais besoin de ton aide. T'es où, toi, là? En fait, je suis juste à côté de toi ici. Ben voyons, qu'est-ce que tu fais là? Ben je le sais dessus, c'est ton script. Ben oui, toi, regardons ça. T'es sûr que c'est pas toi qui l'as écrit, cette joke-là? En tout cas, gars, mon clone est découragé, là. Son amiibo est mort au combat. J'suis allé au magasin pour essayer d'en trouver un, mais ça coûte ben trop cher. Ah, ben j'ai la solution, mon gars! J'ai une connaissance au lac Elia. Ben, c'est pas la porte voisine, là, mais il peut sûrement te fournir un amiibo. Ah ouais? Ben pas de temps à perdre, je m'en vais au lac Elia! Ouais, j'aurais dû demander à Mathieu c'est qui je suis venu chercher. Hé, hey, oh! Mais qui es-tu, toi? Je m'appelle Tachiro. C'est Mathieu, là, qui m'a dit d'aller vous voir parce que vous pourriez sûrement m'aider.
Ah oui, c'est bon vieux Matt. Je le connais très bien. Il est super drôle, super intelligent, super beau, super intellectuel, super... Ouais, il est super tout, là, mais il est pas là le problème. J'aurais besoin d'un amiibo, mon clone, là. Oh oui, les amiibos! Ah, c'est-tu le fun, ça, avec un peu, hein? Ah, moi, mon jeu préféré, c'est Animal Crossing Amiibo Festival. Ah, oh, c'est-tu le fun, ça, avec un peu, hein? Tape l'amiibo! Tape l'amiibo! Tape l'amiibo! Non? Tu tapes pas l'amiibo, toi? Non, je tape pas l'amiibo. J'ai besoin d'un amiibo. Ah ben ça tombe bien, parce que j'en ai justement un avec moi ici. Ben, tu le prends-tu, Chris? Hey, ben merci beaucoup. Bon ben. Hey man, t'arrives juste à temps, je suis en train de perdre mon record au fusil. Non, j'ai pas de temps. Hey, tu vas pouvoir arrêter de broyer, je t'ai emmené un petit cadeau. C'est beau, Mario! T'es vraiment le meilleur! Une bonne affaire, de fait. Ouais. En tout cas, bel job, mon gars. Si t'as encore besoin de moi, tu m'appelles, hein? Oui. Yes. Hey, salut Matt, ça va? Ouais, j'aurais besoin de ton aide. T'es où toi là? Merci d'avoir écouté ce troisième épisode, les Amiibo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Et si vous avez pas vu notre deuxième épisode, ben qu'est-ce que t'attends? Clique là. Pas dur, là. Et j'aimerais remercier Mathieu Mercier pour son apparition dans l'épisode qui a fait un travail extraordinaire. On a eu beaucoup de fun à tourner. Ça a pris du temps parce qu'on était tout le temps crampés, mais c'est ça la joie du tournage. Fait qu'on n'a pas le choix, mais allez voir sa chaîne. On va mettre ça quelque part dans ma face. Donc, un gros merci à toi d'avoir participé dans cette émission. C'était vraiment le fun. Sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Super intelligent, super beau, super intellectuel, super... Ah, oh, il est fun!